X72500 sont entrés en service commercial en 1997. Ces engins sont mal nés, poussés par des enjeux politiques qui les voulaient avant-gardistes. Il existe des versions bi-caisse ou tri-caisse. Il peut être couplé en UM2 ou en UM3. Chaque élément est équipé de 4 moteurs diesel de 300 kW chacun, un moteur sur chaque bogie et de 2 grogues d'une puissance de 100 kW chacun. Leur vitesse de pointe est de 160 km/h. Pour éviter une usure prématurée des moteurs, les grogues ou groupes générateurs tournent à une vitesse permanente de 1500 tours minute. D'où leur surnom d'aspirateur pour le bruit qu'ils procurent. De plus, les prises d'air des grogues sont disposées sur les bords extérieurs de la rame. À l'automne, les feuilles, aspirées par les moteurs, viennent boucher ces filtres, ce qui crée des pannes.
À cette époque, la volonté était de créer du TER à haut standing. Espace voyageur spacieux et confortable. Grande baie panoramique. Affichage des gares sur panneaux cristaux liquides. Des espaces accessibles aux fauteuils roulants. Des espaces climatisés. Côté mécanique, les moteurs sont de type routier, facilement interchangeables pour l'entretien par le dessous. Les coûts d'entretien sont réduits de 30 à 40%. Mais la réalité est toute différente, et très vite, les conducteurs les surnomment les boîtes à emmerde. Ces engins subissent en effet des pannes récurrentes. Fermeture de portes, isolement des grogues, isolement des moteurs, et en 2003, le premier désaccouplement du NUEM en ligne, sans rupture d'attelage. Cela s'est produit sur la ligne de Toulouse à Saint-Sulpice, cette section de ligne sur laquelle le 72 500 est devenu emblématique. Sur la région Occitanie, il ne reste plus que 8 72 500, dont 4 sont en réparation. Je vous propose donc de vivre ce voyage emblématique en cabine à bord du 72 537 qui vit ses derniers tours de roue.
fois les dernières aiguilles de la gare de Toulouse dégagées, je lance à fond les 4 moteurs du 72 500. Ici, il s'agit de ne pas prendre du retard dès le départ. J'ai perdu un peu de temps à dégager les aiguilles à 30 par prudence et la première portion de cette ligne est tracée pratiquement à vitesse limite. Ensuite, je coupe la traction et je laisse rouler. Je vais bientôt arriver à un changement de vitesse à 120 km/h. Donc, pour éviter d'être obligé de freiner, j'essaye de calculer de façon à ce que le train ait perdu la vitesse nécessaire. Dès que j'ai passé mon trabet, je remets plein gaz. La vitesse est limitée à 120 km/h, mais ça monte un peu. Quand tout fonctionne bien, 72 500 est quand même extrêmement puissant pour un autorail enfin en caisse.
si je franchis le tunnel dont la vitesse est limitée à 110 km/h, dès que je vais sortir du tunnel, ça redescend. Voici les Mirlitons du Ralent 60 de Gragnac. Le signal est ouvert, donc pas de problème, je file tout droit. Dans le cas contraire, j'aurais pu avoir le jaune cli et l'avertissement si j'avais dû croiser à Gragnac, voire même jumelé avec le Ralent s'il m'avait pris sur une voie déviée. Mais là, pas de problème, donc je reprends de suite ma vitesse à 120 km/h. Voici à droite l'autoroute, surchargée aux heures de pointe. Je coupe la traction pour la transition de vitesse à venir 120-110. Mais ça grimpe à nouveau, jusqu'à Montastruc, la conseillère. Et les moteurs du 72500 sont toujours en prise. Voici le ralent de Montastruc, voie libre. Comme pour Gragnac, je vais pouvoir passer tout droit. Le deuxième tunnel, toujours limité, à 110 km/h. Dès la sortie, ça redescend. Une particularité du 72500, c'est qu'en plein phare, on n'y voit rien, parce qu'ils sont dirigés vers le ciel. Malgré les multiples signalements, ça n'a jamais changé.
pente, je mets le frein hydro en service. Ça permet de maintenir la vitesse. Bon, il n'est pas bien puissant. Dans des pentes de 30 pour 1000, il ne retient pas le convoi. Pendant les grandes années du 72500, certains conducteurs se refusent à utiliser le frein hydrodynamique sous prétexte qu'il faisait lâcher certains moteurs. Mais c'est vrai qu'il provoquait une surchauffe, du coup une mise au ralenti du moteur. La lampe LSFH qui s'allumait, donc ne plus utiliser le frein hydrodynamique, un moteur au ralenti, perdait de la traction. Et c'était souvent qu'on pouvait remettre en service plusieurs fois de suite en cours de route les moteurs qui s'étaient mis au ralenti. Ces mécanos, ils n'avaient pas vraiment tort. Du coup, il se servait du frein pneumatique qui est très efficace sur 72500. Et ce qui faisait qu'arriver en bas des pentes, dans certaines gares, parfois ça sentait bien le brûlé, les plaquettes avaient bien chauffé. Passer au quai Serrières, c'est en palier, je remets du gaz à fond pour me mettre bien à l'heure pour la prochaine gare. Comme on dit dans le jargon, je mets tout dans le coin. J'approche du TIV d'annonce 60 km/h pour Saint-Sulpice. La distance entre l'annonce et l'exécution est assez courte, à vitesse limite de la ligne, à 140. Il faut faire un bon freinage pour bien respecter 60 km/h, puisqu'ici la ligne est contrôlée par le KVB et il a vite fait de vous rappeler à l'ordre. Le 72500 était finalement un engin assez confortable pour le conducteur. Déjà, il a une porte d'accès direct à la cabine, ce qui permet d'aller se faire identifier au signal ou suite à un incident sans être obligé de passer au milieu des voyageurs, comme c'est le cas actuellement avec un AGC ou un 73500. De plus, il y a eu une véritable recherche aérodynamique sur le 72500 à l'époque. Et il est assez bas et le conducteur est assis très bas en fait par rapport aux autres engins. Alors c'est pas toujours un avantage, mais ça lui donne une position confortable, une position de conduite assez confortable. Et puis au moins en tout cas sur la région Midi-Pyrénées, l'OAS n'a jamais véritablement été installé puisqu'il n'y a jamais eu des caméras embarquées ni des écrans. Cabine. Donc ça nous allait très bien.
À partir de Saint-Sulpice, la vitesse n'est plus contrôlée par le KVB. Il y a juste le date avancé qui fixe une limitation de vitesse à un point donné, simplement quand les signaux sont fermés. Donc des zones sur la voie où il n'y a pas de signalisation, des crocodiles sont implantés et ils contrôlent la vitesse du train. On doit traverser des gares à grande vitesse, on ne peut pas s'empêcher de garder la main proche du sifflet, toujours prêt à réagir parce qu'il peut y avoir du monde. Tellement de pannes récurrentes sur le 72500 qu'on disait conducteur que le conducteur circulait avec le guide de dépannage posé sur le pupitre, ce qui était vrai. Et bien qu'à la fin on connaissait les pages du guide par cœur. Perte d'un grog, perte des deux grogs, le manque de secours, perte d'un moteur, deux moteurs, incendie, essuie-glace HS. Climatisation de cabine, c'était courant, on allait bricoler derrière dans les disrupteurs. Ouais, j'en passe. Les grogs, hein, en plus d'assurer les fonctions, donc c'est un groupe électrogène, mais en plus d'assurer la fonction d'éclairage, de climatisation, il assure aussi la production d'air, 72500. Donc sans grog, plus d'air, dès que la pression la CP descendait en dessous de 6 bars, on était obligé de s'arrêter. Donc on n'allait pas bien loin, sans de grog. On essayait juste de rejoindre la prochaine gare pour pouvoir faire descendre, évacuer les gens.
bien souvent les grogs ils s'arrêtaient soit pour parce qu'il y avait un manque au niveau d'huile. Donc on attendait un petit peu et on pouvait les relancer. Normalement on ne peut pas le faire, mais il arrivait que quand on les relance 5 ou 6 fois en cours de route pour essayer de se sortir de la course. Pas question de jouer à Schumacher sur la signalisation fermée. On peut accélérer et prendre de la vitesse rapidement à la sortie des gares quand on sait qu'il y a la voie libre. Dès qu'on a des ralents, comme on dit dans le jargon, on dit qu'on lui casse les reins, briser sa vitesse. Pour amener le train à une vitesse, on va dire sécuritaire, environ 80 km/h. Pour pouvoir anticiper sur la limitation de vitesse ou sur l'arrêt. Dans le jargon, on dit qu'on met un grand coup de râteau. Une autre particularité du 72500, c'est sa faculté à perdre du temps lors des arrêts en gare avec la fermeture des portes. En effet, une fois que le contrôleur fait l'autorisation de départ, il faut encore attendre que la porte par laquelle il a fait l'autorisation de départ se ferme, puis que le marche-pied remonte, ce qui nous libère un voyant de contrôle de fermeture de porte et qui nous permet de tractionner. Autre particularité du 72500, dans le dos du conducteur, dans l'armoire située derrière lui, a été placé un voyant défaut, AE RAM ou AE local, donc c'est un défaut anti-enrayeur, ce qui correspond à l'ABS sur une voiture.
Donc, dans le cas où ce voyant est allumé, le conducteur considère qu'il a un bogie qui n'est plus freiné et ça abaisse sa vitesse à la vitesse des V120. Si ce voyant s'allumait en cours de route, il n'y avait pas moyen de s'en apercevoir puisqu'il était placé derrière. Mais de la même façon, si le voyant était allumé dès le départ, rien n'empêchait au conducteur de ne pas s'en être aperçu et de considérer qu'il s'était allumé en cours de route. La plupart du temps, c'était une anomalie sur une fonction redondée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas réellement d'anomalie. Et l'anti-enrayage, si les conditions sont clémentes, il n'a pas vraiment d'utilité. Les trappes de nez ont été assez problématiques. Au début, ça fonctionnait très bien. Et puis ensuite sont apparus deux gros problèmes. Le premier, c'est qu'il est arrivé que des conducteurs oublient d'ouvrir les trappes de nez lors de l'attelage, ou qu'ils aient peur simplement d'avoir oublié de les ouvrir, ou qu'ils les fermaient. Et le deuxième, c'est que des fois, elles se refermaient pas correctement, ou s'ouvraient pas correctement, ce qui provoquait des fuites d'air et pouvait entraîner des pannes. En aucun cas, le fait de rouler les trappes de nez ouvertes n'entraînait une réduction de vitesse. Donc, c'est pourquoi souvent 72 500 circulaient les trappes de nez ouvertes, sans compter que certaines étaient cassées et que les ateliers ne se précipitaient pas pour les réparer. Donc, elles étaient maintenues ouvertes, c'était prévu comme ça.
autre gros problème rencontré avec les 72 500, c'était dans les rampes. À l'époque des feuilles mortes à l'automne, dès que le 72 500 se met à patiner, il coupe la traction. Du coup, dans la rampe, perte de vitesse. Ensuite, il reprend sa traction, il patine, il recoupe la traction, perte de vitesse. Et au final, on se retrouvait à l'arrêt sans pouvoir tractionner. Dans ces conditions, le sablage n'était pas souvent d'une grande efficacité, dû à la quantité de sable qu'il mettait sur le rail. Donc c'était courant qu'on circule avec des sacs de sable dans la cabine. Et on s'arrêtait, on descendait du train et on saupoudrait copieusement la voie de sable pour essayer de redécoller. Ou alors on refaisait le plein des sablières si elles étaient vides. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin du voyage en gare des Sonnières. Le convoi a un arrêt circulation, c'est pas un arrêt voyageur, on n'ouvre pas les portes. La gare de Tessonnières est une gare de jonction entre deux voies uniques, Rodez-Figeac, et la voie banalisée des Sonnières, ou de Tessonnières à Toulouse. Donc il y a un arrêt obligatoire en cas de croisement, par sécurité. Bye.